Hey, bonjour à tous les aliens, mon nom est Spike Easy. J'espère que vous allez bien, parce qu'on parle, les gars, ça va super bien. Comme d'habitude, super content encore aujourd'hui de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo de news et de leaks sur Fortnite. Et vous savez très très bien qu'on a toujours des informations super super intéressantes qu'on a trouvées dans les fichiers du jeu. Du coup voilà, on va directement commencer avec ces informations super super intéressantes. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un gros pouce bleu si celle-ci vous plaise, et nous on va y aller directement. Donc c'est parti, on va directement commencer avec l'information la plus intéressante de la vidéo. Bien évidemment, il se pourrait fort 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 qu'on ait tout simplement bientôt sur la map une explosion nucléaire. Laissez-moi vous expliquer tout simplement. En fait, il y a tout simplement dans les fichiers du jeu un événement chaos qui a été trouvé, voilà, tout simplement, et qui dit qu'en fait on va bientôt avoir quelque chose qui va se passer à Steam Stack. Tout simplement, vous savez très très bien que c'est une centrale nucléaire, voilà, tout simplement, et qu'en fait, eh bien, il va y avoir un gros chaos qui va se passer là-bas. Et voilà, c'est fort fort possible du coup qu'on ait bientôt tout simplement une explosion nucléaire sur la map de Fortnite. Du coup, très intéressant, c'est qu'une hypothèse, mais ici il y a des fichiers de jeu qui ont été trouvés et c'est très 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 convaincant. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est fort fort possible que ça arrive. Donc maintenant, je vais simplement à vous parler d'une petite rumeur qui tourne sur Twitter. Voilà, tout simplement, en fait, il s'agit d'un petit événement qui s'appelle Winter Royale. Du coup, c'est un petit peu bizarre parce qu'on l'a pas du tout trouvé dans les fichiers du jeu, mais c'est tout simplement un événement qui pourrait fort fort bientôt arriver sur Fortnite. Voilà, en rapport un petit peu avec l'hiver, etc. Du coup, très 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 intéressant. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est pas du tout confirmé. Attention, à prendre avec des pincettes. Alors maintenant, j'ai des petites informations pour toutes les personnes qui aiment bien jouer dans Sauver le Monde. Ici, voilà, il y a tout simplement une petite arme qui va bientôt arriver. Du coup, je vous l'affiche ici, voilà, très 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 belle. Et aussi, voilà, tout simplement, une petite épée, voilà, qui servira de pioche, je pense. En tout cas, je sais pas trop comment ça marche dans Sauver le Monde, étant donné que j'y joue pas beaucoup, beaucoup. Mais en tout cas, toutes les personnes qui jouent à Sauver le Monde vont sûrement être contents de ces informations. Alors maintenant, j'ai encore une information assez intéressante pour toutes les personnes qui sont réjouissent de l'arrivée de Noël sur Fortnite. Voilà, ici je vais tout simplement vous montrer, en tout cas vous faire écouter la petite musique du bus pour l'événement Noël. Du coup voilà, je vous montre le petit fichier et puis on se retrouve directement après. Donc maintenant, pareil pour les petites armes qui vont bientôt arriver dans le jeu. Voilà, il y a bientôt deux nouvelles petites armes qui vont arriver dans Fortnite et je tiens tout simplement à vous faire écouter les effets de celle-ci. Du coup, ici vous avez l'AK-47 lourde et tout simplement le fusil d'assaut à lunettes. Du coup, je vous les fais écouter et on se retrouve directement après. Alors maintenant, avant de terminer cette vidéo, je tiens tout simplement à vous présenter le skin qui a été attendu par Fortnite aujourd'hui dans la boutique. Il s'agit tout simplement du skin Riley que je vous affiche ici. Du coup, un skin assez basique mais qui a quand même un petit peu son charme, voilà. Et aussi quelque chose de très 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 important qui va bientôt arriver, c'est tout simplement l'événement explosif. Du coup, c'est un mode de jeu où vous pourrez jouer que avec des armes explosives. Du coup, très très stylé, n'hésitez vraiment pas à le tester si vous en avez l'envie parce qu'il est là pour une durée limitée. Donc voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que tous ces petits leaks du chapitre 2 vous ont mis la hype pour la suite. J'espère vraiment que vous avez la hype pour l'événement chaos qui va bientôt arriver à Steam Stack. En tout cas, gros pouce bleu si c'est le cas, et n'hésitez pas aussi, le plus important, à vous abonner parce que vous savez très très bien que toutes les informations de leaks et de news se trouvent sur ma chaîne YouTube. Du coup voilà, si vous voulez toujours rester 100% informé, la meilleure chose que vous avez à faire c'est vous abonner et jamais vous ne louperez aucune information de leaks et de news sur Fortnite. Les gars, c'était Speakeasy, je vous dis à la prochaine pour plein d'autres vidéos de leaks et de news sur Fortnite. À la prochaine les aliens.